Et bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online encore une fois pour des informations. Donc cette fois je vais parler encore une fois du DLC Independence Day qui devait être supprimé fin juillet et qui a été encore une fois décalé par Rockstar. Donc le DLC sera tout simplement supprimé la semaine prochaine, donc mardi 4 juin, si je me trompe pas. Normalement c'est mardi 4 juin, donc ça a bien été stipulé sur Rockstar Social Club. De toute manière je mettrai le lien dans la description, où Rockstar annonce bel et bien qu'il vous reste tout simplement une semaine pour pouvoir acheter tous les éléments du DLC. Alors pourquoi Rockstar a fait ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils préparent la nouvelle mise à jour et qu'il leur faut encore plus de temps, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont décalé. Donc je l'ai dit, je mettrai le lien du Rockstar Social Club dans la description, vous pourrez lire même si c'est en anglais. Moi je vous traduis un peu le tout. Donc ils ont bien stipulé que le DLC serait tout simplement supprimé dans une semaine. Donc une semaine, c'est-à-dire qu'il vous reste une semaine pour pouvoir acheter le Liberator, la moto et l'arme. C'est vraiment très important d'acheter l'arme, comme ça vous n'avez aucun problème après, vous aurez toutes les armes. Moi en tout cas je vous conseille de l'acheter, acheter le Liberator une bonne fois pour toutes, faites des petits glitches d'argent et après vous pourrez les acheter sans aucun problème. Je pense que c'est important de vous prévenir parce que moi j'ai été un peu choqué parce que Rockstar avait annoncé la suppression du DLC fin juillet, et là la fin juillet arrivait, donc j'étais encore, je suivais Rockstar sur Twitter et il ne tweetait pas tout simplement que le DLC allait tout simplement être supprimé. Et du coup moi je vois toujours ce Liberator qui est toujours disponible, les armes qui sont toujours disponibles, et du coup voilà, je me pose beaucoup de questions, mais en fait maintenant j'ai la réponse étant donné que ça a été tout simplement stipulé par Rockstar sur le Social Club. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. C'est vraiment une information assez importante je pense pour vous, comme ça si vous aviez peur de ne pas pouvoir avoir le temps d'acheter le Liberator, il vous reste tout simplement une semaine pour l'acheter. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit like et un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.